Bienvenue dans Arc of Construct. Vous allez pouvoir découvrir des constructions sur Arc un peu atypiques, qui sont un peu plus stylisées, on va dire, que les constructions de base de Arc. Allez, c'est parti. Dans cette première vidéo, une petite construction que vous pouvez voir à l'écran pour bien débuter sur Arc. Avant de nous lancer dans la construction, voici les éléments dont vous aurez besoin. Nous allons commencer par poser une fondation en thatch. Au pied de celle-ci, une fondation pour enclos en bois. On poursuit en plaçant une fondation pour enclos sur le côté de la fondation en thatch. Il n'est pas toujours évident de la placer, mais vous devrez pouvoir y arriver, comme on le voit dans la vidéo. On vérifie avec un mur en thatch que celui-ci se place bien sur la fondation que l'on vient de poser. Puis l'on continue à poser les fondations en thatch et les fondations pour enclos en bois, tout en vérifiant que les murs en thatch se placent bien sur la fondation pour enclos. Il peut arriver que la fondation en bois pour enclos se place de telle façon qu'il n'est pas possible de mettre le mur en thatch. Celui-ci ne s'imbrique pas bien et est impossible à poser. De ce fait, je vous invite à poser la fondation pour enclos manuellement sans que celle-ci soit magnétisée par l'autre fondation. Et l'on continue en posant les fondations pour enclos ainsi que les fondations en thatch. On va pouvoir commencer à poser les murs en thatch sur les fondations pour enclos et ainsi voir que celle-ci se place bien. On poursuit la pose des murs en thatch sur les fondations pour enclos, sans oublier de laisser une ouverture sur l'extrémité du U formé par les fondations en thatch. On poursuit par la pose des murs en thatch à l'intérieur sur les fondations. On pose les cadres de porte. Puis les portes. Voici ce que cela donne vu de haut. On continue en posant deux murs de thatch au centre, au-dessus des murs existants. On poursuit par la pose des plafonds. Puis la pose des plans inclinés droite et gauche. On termine cette toiture par les plans inclinés et le plafond en thatch. On va effectuer une petite modification en ajoutant une porte sur le haut de la construction. Ceci nous permettra de profiter de la toiture comme un balcon. On poursuit par la pose de balustrade en bois, ce qui va mettre un terme à notre construction.
voici le résultat final. Vous n'avez plus qu'à le décorer intérieurement. Lit, armoire, forge. Vous pouvez voir ici que c'est une version un petit peu plus grande avec une fondation supplémentaire au milieu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Je vous en remercie.